Les gars, avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite horloge pour un autre fait dès que je fais des vidéos. Eh bien salut tout le monde les gars, juste avant tout ça j'ai une petite annonce à vous faire passer. Donc ça y est les gars, on reprend les tirages au sort. Donc c'est tous les mercredis, il y a 50 000 crédits à gagner. Donc pour participer vous avez juste à liker, vous abonner et mettre je participe en commentaire. Donc tous ceux qui s'abonnent pas, ben, vous comptez pas comme participant. Donc voilà les gars, faut respecter les règles. Donc voilà les gars, c'était juste une petite annonce sur ce les gars. Ciao tout le monde et bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est MousseBof13. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 17. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat-vente. Donc c'est une sorte, ouais en fait c'est pas une sorte, c'est un investissement. Donc alors tout d'abord on va voir mes petits bénéfices sur ce compte. Donc il doit pas être énorme je crois. Donc attendez, hop hop ami. Donc sur mon vrai compte j'en suis à 5 920 000 et sur celui-là j'en suis à 500 000. Donc c'est pas mal, je crois c'est sur ce compte que j'ai le moins de bénéfices transferts tout simplement. Mais regardez sur mon vrai compte quand même j'ai presque 6 millions. Et mon objectif c'est d'atteindre au moins 10 millions avant la fin du jeu. Je pense qu'on peut l'atteindre tranquillement, il me manque seulement 4 millions. Ça peut se faire très facilement. Donc alors, c'est parti l'investissement. C'est pour ceux qui ont des gros bénéfices bien sûr. Donc c'est Jalais Boost, tout simplement parce que je pense qu'il va augmenter parce qu'il a des très bons stats tout simplement. Donc alors combien il coûte? Donc il a déjà pas mal augmenté. Ok, ça va, c'est toujours faisable l'investissement. Donc vous l'achetez à 13 000. Au pire, vous le prenez aux enchères, tranquille. Je pense qu'à 12 700, vous l'avez aux enchères. Vous allez acheter en masse et je pense que d'ici une ou deux semaines, il aura augmenté genre vers 25 000, même 30 000. Ça peut être très intéressant du Jalais. Parce que regardez, il a 76 de vitesse, 82 de défense, 80 de physique. C'est le défenseur droit Ligue 1 qui a les meilleurs stats. Donc je suis assez dégoûté, pardon. Parce que pendant que j'avais pas de collection, que je faisais pas de vidéo, bah tout simplement j'ai trouvé une tech de malade. Et du coup j'ai pas pu vous la présenter. Oh il a baissé le petit. Il a baissé mais il va re-augmenter tout simplement. Donc alors c'était très très bon investissement tout simplement. Donc avant-hier il coûtait 18 000 et j'en ai acheté genre allez 90 un truc dans genre à 10 000 crédits. Donc faites le calcul. Il coûtait 18 000 je viens de dire, donc vous faites 8 000 fois 90. J'en étais je crois 800 000 de bénéf, mais je pense qu'il va augmenter genre à allez 30 000, 40 000 facilement. Parce que du coup, regardez, tout simplement, on passe à 25 000. Donc il a une carte boost. Hein. Il a une carte boost et elle est pas là. Donc parce qu'en fait, la carte boost coûte cher. Mais elle a des stats plus faibles que la carte homme du match. Donc du coup, je pense qu'elle va énormément augmenter. Donc au pire, si pour ceux qui aiment prendre des risques, ben, investissez maintenant. Mais voilà, c'est risqué quand même. C'est risqué. Oh, regardez, 32 000, il n'y en a pas. Mais oh, la couchure, elle a augmenté. Elle a... Voilà, regardez. Regardez la différence. 70 de vitesse. Là, il a 2 de plus. 3 de plus en frappe. Il a 3 de plus en physique. Et 5 de plus en défense. 4 de plus en dribble. Et 3 de plus en frappe. Et 3 de plus en général. Donc, bon, ok, il a un DC, il a un MC, on s'en bat les couilles, tout simplement. Donc, alors, juste avant avoir les stats appliquées. Moyen, élevé, 4, 4, c'est pareil, il fait la même taille. Ok, tu n'as pas changé, je t'ai pas coupé les cheveux, je sais pas ce que tu as fait. C'est bon, tranquille. Donc, vous voyez, je pense qu'il peut énormément augmenter la carte homme du match. Parce que déjà, dès qu'elle était plus packable, ben, pouf, elle a augmenté de 8000 crédits. Donc, c'est pareil pour Jalais. Jalais, il est plus packable depuis hier. Ouais, c'est ça, depuis hier. Donc ça peut être très intéressant d'investir sur lui. Donc moi personnellement sur mon gros compte bah, j'ai investi en masse sur Jalais et dans des compions, je sais pas quoi celui que je viens de vous montrer. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour que dès que je fais une vidéo. Donc n'hésitez pas à participer au tirage au sort. Donc je précise, le résultat du tirage au sort de cette semaine c'est demain, je pense dans l'après-midi. Et je vais mettre aussi sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner sur ma page Facebook. Donc dès qu'il y a des problèmes de collection et tout ça. Parce que maintenant je vais vous mettre des techniques d'achat-vente sur ma page Facebook aussi. On va la mettre un peu en action, vous voyez, parce que là c'est pas trop ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à participer au tirage sort. Donc il y a 50 000 crédits à gagner, c'est tout simple. Vous avez juste à liker, mettre une participe et vous abonner. Vous comptez comme partiellement, c'est tout simple. Sur ce les gars, allez, ciao tout le monde.